et le Père nous annoncer la bonne nouvelle. Préparons-lui le chemin, ouvrons-lui notre cœur afin que nous recevions en héritage la parole que nous donnons vie, espoir, la parole qui transforme nos deux en fait. Profitons de l'occasion qui nous est donnée de prier pour notre monde en souffrance. C'est pour nous, à l'instar du coronavirus qui détruisent la vie des pauvres innocents en laissant des familles dans le désarroi. Prions également pour tous nos dirigeants, afin qu'à l'image du Christ, ils gouvernent avec justice et droiture. Que la crainte de Dieu jamais ne nous quitte. À présent, d'un seul esprit, l'évidence, c'est l'élodie de Noël avec la Torah.